Voilà le genre de route qu'on a emprunté en Corse. Alors là, c'est la pire qu'on a faite jusque maintenant. Vraiment la pire de chez pire. Aucune sécurité au bord des routes. Le précipice tout de suite à côté. Et là, au loin, on voit encore la route qu'on va emprunter. Là, on a à peu près à 1200 mètres d'altitude. Et l'état des routes, pas terrible. Ah, que du gravier. Pur gravier. Voilà. La petite moto, elle a bien souffert. Et le bonhomme aussi. Voilà, en gros, je refais un petit tour panoramique. Bien sûr, avec le vide, j'ose pas trop m'approcher à côté. Voilà. Et je vais essayer de zoomer sur Patrick là-bas. Où il est, Patrick? Ah oui, ça y est là. Il arrive en tout petit. Ah ben de temps en temps, il y a des voitures qui arrivent quand même. Voilà. Bon. Mais on prend son pied quand même, voilà. On est motard ou on ne l'est pas. Franchement, et puis avec un panorama comme celui-là, on peut que apprécier. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, j'ai rejoint Patrick. Il vient de faire une petite pause et on va voir dans un instant le panorama encore plus joli que celui de tout à l'heure. Allez hop, préparez vos yeux. C'est pas beau tout ça. Regardez-moi ça, quelle eau. On en a bavé avec la route, mais on ne regrette pas du tout. Hein, Patrick? Génial. Oh là 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 là. Génial, c'est génial. Magnifique. On va le montrer à ceux qui partent. Ouais. Donc tu vois, je suis en train de filmer tout ce qu'on vient de faire en moto là. La montagne en face avec les routes. On vient de là, viens. Ouais, ouais, on vient de là-bas en face. Oh la vache. Du village là-bas. Et puis on a fait toute la route que l'on peut voir à flanc de coteau là-bas, flanc de montagne. Ah, et puis ben, on peut voir les ravins, comme j'ai montré tout à l'heure. Quand même impressionnant. Puis l'état de la route surtout qui est impressionnante. Voilà, ils sont en train de la faire, mais il y a du boulot là. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce passage de la montagne.